Imaginez arriver au bureau le matin et vous retrouver devant un accès Internet comme celui-ci. Là, je veux rentrer une tâche. Il va falloir que j'attende encore. C'est un petit peu tout le temps ça qui est... Tu sais, c'est lourd, là. Je veux juste fermer une page. C'est... Il y a tout le temps des délais. L'usine de carton que dirige Marie-Hélène Hott est pourtant située à Lavaltrie, à seulement 40 minutes de Montréal. On peut avoir encore beaucoup d'interruptions. Alors, le fait que ce soit inconstant, bien, ça peut occasionner des problèmes réels. Si quelqu'un connaît l'urgence d'agir, l'urgence de fournir l'Internet haute vitesse dans la région, c'est bien David Morin. Il est le grand responsable des technologies dans la MRC d'Autré. Aussi critique que des entreprises qui sont présentement dans le quartier industriel et qui nous disent, bien, si vous n'avez pas Internet, on songe réellement à quitter. Donc, la ville a dit, bien, il faut faire quelque chose. C'est le Internet à haute vitesse. En 2016, Ottawa et Québec annoncent des millions pour déployer la haute vitesse en région. Que 100 % des citoyens aient accès à Internet haute vitesse. M. Morin s'est empressé de soumettre la candidature de sa MRC. On a soumis au programme canadien, au programme québécois, 255 documents. Certains, c'était des fichiers Excel de 10, 12, 15 onglets, là. Donc, ça a été un travail de plusieurs mois, juste monter le dossier. En décembre 2017, la MRC de M. Morin reçoit alors 4,7 millions de dollars. Mais pour lui, la course à obstacles ne fait que commencer. C'est là qu'on a été quand même un peu déçus parce que les zones qu'on croyait admissibles au complet, il y en a plusieurs qui ont disparu. Là. Même si le projet de fibre de la MRC d'Autré passe tout près de Saint-Cuthbert et Saint-Barthélemy, impossible d'utiliser la subvention pour brancher les deux villages. Pourquoi? Parce que selon les critères du gouvernement, les deux villages ont déjà accès à de la haute vitesse. Nous, sur le territoire, on s'est fait retirer des zones, des endroits où les gens faisaient du 5,2 mégabits, considérant que c'était de la haute vitesse. 5 mégabits, c'est un peu d'Internet. La page va apparaître, ça prend du temps. À part de ça, vous ne pouvez pas écouter Netflix, c'est impossible. Aujourd'hui, le CRTC estime qu'il faut environ 50 mégabits seconde, 10 fois plus, pour que ça soit considéré comme de la vraie haute vitesse. Le problème, c'est que les programmes de Québec et Ottawa pour brancher les municipalités rurales ont été lancés en décembre 2016. Et en décembre 2016, la norme du CRTC pour la haute vitesse était de seulement 5 mégabits seconde. Selon David Morin, un autre obstacle majeur se dresse dans son projet de brancher la MRC. Avant qu'une entreprise, une MRC, un OBNL construise un projet, construise un réseau de fibre optique, il faut obtenir l'autorisation, donc les permis. Dans la MRC de M. Morin, c'est à Bell que revient le pouvoir d'octroyer les permis. Ça veut dire qu'avant de laisser la MRC installer sa fibre optique, il faut que Bell inspecte chaque poteau et chaque pièce d'équipement. À ce moment-là, Bell va passer puis va aller voir bon, le poteau numéro 1, est-ce qu'il est conforme, est-ce qu'il est à jour, est-ce qu'il est pourri, est-ce que le hauban est croche, est-ce qu'il faut refaire le poteau. Et chaque poteau va faire l'objet d'un permis. Si un poteau écroche, si une pièce d'équipement est mal en point, eh bien, la MRC doit piger dans sa subvention pour financer la remise à neuf des infrastructures. Dans ce cas-ci, on l'évalue environ facilement à plus de 500 000 $ de l'enveloppe de notre projet. C'est même pas pour mettre notre câble, c'est on met à jour leurs infrastructures. Un demi-million, c'est 12 % de la subvention. Et le travail de mise à niveau des poteaux va prendre du temps. Dans ce cas-ci, là, on parle de délai. Juste pour donner un exemple, construire 5 km à Lavaltrie, c'est 3 mois d'attente. Ici, on parle de 200 km. Donc, on s'attend facilement une bonne année d'attente pour avoir l'autorisation complète pour construire. Pour l'entreprise de Marie-Hélène Hott, il est urgent d'avoir accès à de la vraie haute vitesse. La compagnie vient d'investir 50 000 $ dans une scie informatisée qui doit être connectée au réseau. D'avoir une machine qui est arrêtée pendant plusieurs heures alors que l'équipe est rentrée à 5 heures du matin, il n'y a pas de production tant qu'on n'est pas capable que la connexion Internet, dans le fond, fournisse les réponses, la vitesse nécessaire pour avoir les réponses du fournisseur. C'est ça qu'on vit actuellement. David Morin estime que si tout va bien, la haute vitesse sera disponible dans la MRC d'Autré en 2021. 2021, c'est 5 ans entre les annonces des gouvernements et l'arrivée de la haute vitesse dans la région.